à l'Éternel notre Dieu pour ce temps merveilleux, n'est-ce pas, qu'il nous accorde ce soir. Et comme je l'ai dit souvent, chaque troisième jour, pour nous dans ce ministère, c'est un jour qui est dédicacé à Dieu pour des prières de guérison. Et si vous croyez, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le temps que cela avait été placé, même si elle ne s'est pas encore manifestée, si vous croyez, Dieu fait la grâce afin que cette maladie soit éradiquée dans ton corps. Amen. Pour la gloire de notre Dieu, au nom de Christ. Amen. Amen. Je ne cesserai de vous le dire, bien-aimés. Dormir et se réveiller, ce n'est pas question d'habitude. Être parmi nous également, tel que tu te crois en bonne santé, ce n'est pas une garantie. Tel que tu es là, tu es composé de trois parties. La partie physique que nous voyons. Et tu es là, tu es composé de trois parties. Même également, on pourra découvrir ton cœur, le poumon, tout est en place. Mais spirituellement, peut-être que plus rien n'existe dans ton corps. Dieu nous a fait grâce, n'est-ce pas, dans sa parole pour nous garantir une chose. Qu'il est bien l'Éternel Dieu qui nous guérit. Ete azali yawe nzambe o abiki sakabiso to beteli nzambe maboko. Ce qui est très important là-dessus, comme je dis souvent, c'est Dieu qui a révélé la médecine. Nzambe ina talisa mayela minganga. C'est un art, n'est-ce pas, d'amener une guérison. Moi, j'appelle ça une guérison limitée, n'est-ce pas? Ezali likabo yakomewa moto kina na lobiko kasinga na benga kango lobiko o ezana ndelo. Parce que les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. L'art de guérir, mais c'est Dieu qui guérit. Ils apportent qu'un remède pour soulager. Mais c'est la main de Dieu qui guérit. La preuve est qu'il y a plusieurs maladies qui sont déclarées aujourd'hui incurables. Mais celui qui nous guérit de toute maladie, il guérit les maladies spirituelles et physiques. Ta maladie, avant de prendre place, avant de se développer physiquement dans le corps, elle commence par une semence spirituelle. Ce concept est vrai dans plusieurs familles. À un certain âge, il y a des maladies qui se développent. La semence a été plantée plusieurs années avant. Plusieurs siècles avant. Malheureusement, les gens ne découvrent pas cela. Parce que dans la science, ils n'ont pas de microscope pour tester, n'est-ce pas, la semence qui est infiltrée dans l'arbre. Mais le médecin de médecins a la connaissance de tout cela. Il te guérira des maladies présentes. Il te guérira des maladies présentes et futures. Amen. Si vous croyez, ce qu'on dit, et cela au nom de Christ. Amen. Amen. Je peux vous démontrer ici en prenant quelqu'un qui apparemment est en bonne santé. Mais spirituellement, la personne est malade. Tout le monde, tel que tu es là, tu portes une semence en toi, sans que tu ne saches. Voilà pourquoi sur le troisième jour, nous venons détruire cela. Si l'ennemi croyait que dans une année, dans deux ans, tu vas développer la maladie en venant dans ses prières, Dieu va t'épargner de cela. Ce qui est moyen à banza qui pas seulement toi,
Tout celui qui a ton sang, si tu crois, il y aura la grâce. Alléluia. Amen. Avant de donner le thème, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, à travers le monde entier, tu verras, il y a plusieurs cas de maladies incurables. Un jour, je voyais dans une clinique, une grande clinique au Canada, où les personnes étaient en attente. Quelqu'un doit quitter l'Europe pour aller là-bas parce qu'on doit planter les reins, tout ça. On dit qu'on les programme, on attend, on doit rétrécir quelqu'un. Donc, vous sentez des maladies incurables, donc on ne sait pas comment. Okomona motolongi Europe azo kide kino Canada pona kuona munganga moko oya kolongola ya bokono wana apese mwakisi. On dit mais non, il faut attendre des reins, il y a pas de reins, on attend que quelqu'un soit mort ou quoi, on va retirer les reins. Donc vous sentez vraiment des choses impossibles. Okomona pe ya komine sikango rampeza te babisi zela eyaka okomona makamu ebele ya somo. Tu verras des cas compliqués de cancer déjà à un certain niveau, on ne sait plus guérir cela. Okomona cancer et komine phase 4 bakoy kobiki sango les sousouté. Tu verras quelqu'un qui devient totalement aveugle. Les messieurs sont bloqués. Quelqu'un dans la paralysie. La science est limitée. Pire encore, si quelqu'un est déjà mort. Je n'ai jamais vu un médecin ressusciter quelqu'un. Sauf un homme de Dieu qui est haut en qui. Et sur l'instruction de Dieu, bien sûr. Donc toi qui me suis présentement de partout, peut-être également que tu attends une intervention chirurgicale. Présentement, on peut être programmé. Peut-être également que plus tard, on va t'opérer de ton cœur sans que tu ne saches. Mais c'est programmé dans l'espace et dans le temps. Peut-être également qu'on va te faire l'ablation des seins. Peut-être également que tu seras aveugle dans 5 ans, tu ne connais pas. Parce qu'on a déjà vendu tes yeux. Peut-être également qu'on a attaqué ton cerveau. Hein? Il y a plusieurs cas où la science présente des limites. Mais la bonne nouvelle pour toi ce soir. Ton cas n'est pas difficile. Encore. Enfin, le thème de ce soir, dit à ton voisin, la guérison n'est pas impossible. Votre guérison n'est pas impossible. Gloire au Seigneur. Le Seigneur te dit également ce soir que votre guérison n'est pas impossible. Amen. Plusieurs cas. Banda qui s'est bêlé. Diagnostiqués par la médecine. Omin kanga batalisi. Sont tentés de ronger plusieurs personnes. Ils allaient qu'au lia battu bêlé. J'aimerais appeler notre soeur que Dieu a guéri ces jours-là. Elle n'a pas témoigné ici. Tu as témoigné. Asseyez-vous, c'est le jour de la guérison divine. C'est le jour de la guérison divine. Ce sont des cas pareils qui vont vous encourager. Notre soeur qui est venue ici, ils disent que ce n'est pas la soeur là, qui était là ce jour-là. Au lieu de dire qu'on a dit, mais non, il faut faire ceci, cela. Maman, les calibres. Hein? Mais ce jour-là, sur le champ, Dieu l'a guéri. Et il était capable de faire tous les mouvements de son corps. Alors, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour ta situation? Médicalement, elle-même du corps médical. Après le diagnostic, là où elle travaille, on a dit, écoute, donc ça est difficile. Les il ne peut même pas quitter le bas pour Kinshasa. On lui a même refusé. Mais elle a cru. Également pour toi ce soir, ce que Dieu demande, c'est la foi.
Si tu peux avoir ces degrés de foi élevés, cette maladie va quitter ton corps. Amen. Quelle que soit le diagnostic qui avait été fait, même si tu me suis de l'étranger, tu es plus loin. Quelle que soit ta race, mon Dieu ne connaît pas de barrières. Des fois, des jours pareils, on fait passer des cas similaires, des cas pareils, parce que ce sont des cas de guérison divine pour exhorter ceux qui croient que leurs cas sont difficiles. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un que Dieu te guérira ce soir. Amen. Je dis à quelqu'un que ton cas sera résolu ce soir. Amen. Même si pour ton père, atapona tata na yo, même pour ta mère, pona mama na yo, présent ou pas, même pour un membre de ta famille, même pour ton mari, ta femme, si vous croyez, Jésus-Christ est le même hier, Jésus-Christ est le même hier, il agira. Amen. Amen. Maman, nous attendons ton témoignage un peu en résumé, parce que le cas était difficile selon la science. On t'a même interdit de quitter là où tu travailles. On te fait signer un document. Parce que selon la science, le cas était difficile. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au moment où la médecine est confondue par celui qui s'appelle le médecin par excellence. Amen. Tokomene pisika oyo minganga bakutani na moto abenge monganga le kinyonso. La médecine nous dit pour qu'une femme soit féconde, il faut qu'il y ait des trompes. Mais nous avons dans cette église ou partout ailleurs, mais je prends le cas de cette église qui est palpable. Une sœur sans trompe qui a deux jumelles que moi je connais, elle est ici. Alléluia. Amen. Ça dépasse l'entendement d'un médecin. Parce qu'on se demande où est-ce que ces enfants étaient assis. Il faut qu'il y ait l'utérus. Mais qui a soutenu les deux jumelles? C'est la main de Dieu. Lorsque vous entendez parler de hernie discale, depuis que j'ai mis pied dans ce ministère, j'ai été attaqué par multiples façons. Des accidents par-ci par-là. Mais hernie discale, c'est le top. Ezalaki suka pendelo. Parce qu'on appelle ça disque. Pour babengi yango disque. Dans la colonne vertébrale, chaque vertèbre a un nom et a une signification dans le corps. Na moko ya mokongo, miko nyonso mikeza na tina pe esengeli nango. Pour que tu bouges et que tu fléchisses, c'est qu'il y a ton disque qui va bien. Et voilà que mon disque était fragmenté. À une hauteur où on ne peut pas dire que le disque peut être fragmenté. Je ne suis pas tombé de l'arbre. Mais ce sont des réclamations. Et pour venir ici, c'est un miracle. Parce que tu ne peux pas bouger. Tu ne peux rien faire. Tu vas être par terre. On doit soulever tes jambes. Mettre sur une hauteur. Afin que ton disque sente le sol. Donc tu deviens carrément un handicapé. On te met dans la classification de ce qu'on appelle en anglais disability, veut dire handicapé total. Batio na la liste ba invalide. Mais je connais le Dieu en qui je crie. Kasi na ebi nzambe oyo na nzimela. Et le cas de décès est arrivé. À quelque chose, malheur est bon. Il a fallu les décès pour que moi je puisse trouver la guérison. On m'a fait signer le papier. Parce que si jamais je bougeais, la moelle épinière va sortir. Et c'est fini pour toi. Moi j'ai signé.
J'ai pris le risque. Mais je savais que je vais repartir apte. Aujourd'hui, dans cette église, Dieu est en train d'amener des médecins et des médecins. C'est parce que Dieu veut amener ses ministères dans les hôpitaux. Ce jour-là, de ma guérison, il y avait des professeurs de médecine ici. Certains m'ont dit, il faut que tu reviennes parce que nous avons été témoins de ta guérison. Il faut qu'on fasse une conférence médicale et qu'on te mette témoin de la guérison. Donc Misko est en train de partir dans les hôpitaux. Il n'y a qu'un médecin qui peut savoir qu'est-ce que hernie discale. Ezakana munganga oyakoye bezanini hernie discale. Tu ne peux rien faire. Okoki kosala eloko te. Tu dois être assisté. Esengeli osungama. Lorsque je parle, je bouge. Soki nazoloba nazoningana. C'est parce que hernie discale est rétablie. Ezapo hernie discale wana ezongi na isika. Tu ne peux rien faire. Tu peux rien faire. La façon dont Dieu l'a guéri ce jour-là, la régie. Ne jamais prête là-bas. Pardon papa. Je demande à la régie, toi, pour continuer à parler. La régie, qu'on va nous montrer, c'était quel jour encore? C'était quel jour ta guérison là? C'était quel jour? Quel jour ici? Ici, c'était quel jour? C'était le jeudi. Le jeudi, cherchez-moi le jeudi là-bas. Jeudi, hein? Cherchez-moi ça jeudi. Vous allez comprendre que l'Éternel Dieu essaie de guérir toutes sortes de maladies. Et si vous croyez, même ton cas sera un cas déjà résolu ce soir. Amen. Au nom de Christ, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans la médecine, lorsque tu passes à une chirurgie, la maladie est partie. La semence est partie. Mais il y a une douleur. Parce que tu as reçu des bistouris. Donc la plaie est en train de se cicatriser. Ça laisse une douleur. Mais la maladie est partie. La maladie est déjà partie. Mais tu as une douleur. Jusqu'à ce que la chair reprenne sa forme. Pendant qu'elle parle, je vais ajouter une chose. Oui, elle-même est du corps médical. Elle dit que quand il y a une intervention, la semence, c'est ça? Oui. Hein? Part. Mais la semence de la maladie va quitter que dans des plans spirituels. Parce que, je prends l'exemple. C'est une semence maléfique qui t'amène la maladie du cœur. Médicalement, on va dire, écoute, on va traiter le cœur, soit on va te remplacer, te remplacer un cœur, mais la semence n'a jamais été détruite. Alléluia. Elle peut être détruite par la prière et non par les médicaments. Souvent on dit qu'on remplace le cœur. C'est 10-15 ans après, c'est la mort. Donc la semence est toujours là. Ton voisin, c'est Dieu qui efface la semence. Amen. Maman, tu es docteur. Tu, selon toi, que quand on enlève la semence et qu'il y a, mais spirituellement, la semence reste, c'est pas la prière. Alléluia. Oui, papa. Oui, tu peux continuer, maman. Et lorsque vous avez été opéré, la douleur qu'on sent post-opératoire, c'est la douleur de la chair. Parce que la maladie est partie. Il y a eu une anesthésie pour qu'on t'endorme. Mais ici, je n'ai reçu pas d'anesthésie. Et ma guérison était instantanée. Et ma guérison était instantanée. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Pendant qu'elle est là, on va nous faire passer sa guérison divine ce jour-là. C'était le 14. Alors que c'est pour le nom de Jésus.
C'est le jour qu'elle venait même du bas Congo. Awotaki Congo central. Elle est venue expressément pour le cas de deuil. Ayakikanga pona matanga. Et là on lui a refusé même de venir. Mais voilà, sous l'onction du Saint-Esprit, c'est Kasi que elle est Amen. Elle qui n'arrivait plus à bouger. Maman, regarde ton vidéo. Tu n'as jamais vu ça. C'est ton vidéo là. Tu manifestais là, tu étais mais parce qu'il s'est pesé. Mettez-moi le volume là, s'il vous plaît, de son. L'extrait de ceci, c'est pour que vous compreniez, bien-aimé, que ton cas n'est pas difficile. Les Cambounayo, ils n'allaient pas citer. Amen. Même toi qui ne suis plus à l'étranger. Nayo, ils allaient qu'on habite sur la boucle. Même toi qui est interné dans une clinique. Nayo peut ouvrir dans d'autres hôpitaux. Même toi qui a quelqu'un qui est déjà dans le coma. Nayo, mutozo na mutozo sa côté coma. Même toi qui attend une intervention chirurgicale. Nayo, mutozo zelo le calipaso. Tu peux croire ce soir. Ce qu'on dit, mais pourquoi on a les lots? Ta guérison. Sera possible. Amen. Montez-moi, c'est là. Jésus est le médecin des médecins. Amen. Mettez-moi le son, s'il vous plaît. Je suis resté toute la nuit hier à la veillée sans qu'il y ait le coussin pour soutenir mon dos. Je suis guéri. Je rentre demain pour montrer à mes collègues et mes patrons que mon Dieu m'a guéri. Lobi nazozonga kolakisa baninga nanga ete nzambe nanga ya bikisinga yi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toujours la régie n'a pas de son. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, c'est un témoignage pour te rassurer ce soir que si tu peux croire, ta guérison sera possible. Amen. Et ta situation n'est pas impossible. Amen. Mais Dieu peut rendre ta guérison possible. Amen. Et c'est là en Jésus-Christ. Il y a une différence entre un médecin et celui que vous appelez le plus grand médecin. Le médecin tel que nous connaissons l'appellation, bien sûr, il peut traiter les êtres humains comme des animaux. Il y a cela qu'on peut dire ici, na bato pe banyama. En faisant le diagnostic, il peut administrer, n'est-ce pas? Mais j'ai aussi vu des cas où on a administré les soins. Les médecins ont tout fait. Mais la personne est morte. C'est pour te dire que les médecins soignent. Mais c'est Dieu qui guérit. Donc si vous ne brisez pas la semence là de la maladie, ça peut sembler une guérison. 2, 3, même 10 ans plus tard, la semence va développer une autre maladie encore. Mais il n'y a que par la prière. Comme également ce soir, chaque troisième jour, nous invoquons la puissance de la résurrection de Christ afin de déraciner la semence de la maladie. Et c'est là quelque soit le temps que cela avait fait. Je dis qu'il y a une différence entre un médecin, pas un grand médecin, mais le plus grand médecin. La nuance, je dis pas un médecin et un grand. Parce qu'il y a plusieurs aussi, soit des grands. Mais je parle d'un médecin et le plus grand médecin. Le plus grand, c'est ce qu'ils appellent le médecin par excellence, qui n'est qu'un seul. C'est bien lui, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Qui nous guérit de toutes les maladies spirituelles et physiques. Oyazobi kesabiso na bikonunyonso ya mosuni pe molimo. Qui veut également te guérir de ta maladie. Oyalingi kobi kesayo pe na bokono na yo. C'est là quel que soit le nom que la science a donné à cela. Pe yango ata kombo oyo minganga bapesi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je remercie Dieu parce qu'il y a beaucoup de médecins qui connaissent également Dieu. Na pabole nzambe po te minganga ebele ba komi koyeba nzambe. Qui sont avisés. Qui sont avertis, qui sont avisés et qui croient en eux-mêmes qu'ils sont aussi limités. Et qu'il faut une main experte tout puissant pour résoudre, n'est-ce pas, des cas que la médecine appelle des cas difficiles. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs maladies incurables.
Quand le cancer atteint déjà la phase terminale. Cancer est comme une phase 4. Vous savez, quand les réclamations se mettent à l'ordre du jour, et vous ne priez pas Dieu, même vous allez dépenser plusieurs syriens. Je vois encore les cas des membres de ma famille. Il avait, je pense que c'était le jumeau, il avait 54, 55 ans à l'époque, il y a 8 ans passé, 55 ans. Quelqu'un qui était en bonne santé, il dit que l'on dirait, mais non, écoute, après des examens, son cerveau s'est identifié au cerveau d'un garçon de 5 ans. Bah, moni était bongo naé, ils allaient le col à bongo et à moi na vol à mitano. Du jour au lendemain, parce qu'il y avait réclamation d'âge. Pour être singa, ils allaient qui na. Donc, on pourra injecter, n'est-ce pas, une semence qui a un certain âge. Vous ne brisez pas cela. Va développer des maladies qui médicalement va découvrir que écoute, il y a ceci, il y a cela, mais la semence est maléfique. Le médecin dit que c'est un cas qui est pratiquement impossible. Mais avec Dieu, cela est possible. Il y a plusieurs cas de la démence ou les cas de la folie. Ou médicalement, on pourrait dire que ce sont des nerfs qui ont connu des problèmes. On va donner des calmants. Mais aussi longtemps, on n'aura pas chassé cet esprit impur là. La semence va rester et va continuer à développer la folie encore. Et tu verras également les charlatans qui tuent des esprits impurs pour guérir. Ils vont dire que voilà, moi j'ai guéri le fou. J'ai guéri les gens qui sont atteints de la folie. Ils ne guérissent pas. Et ils prennent les ténèbres pour contrôler les ténèbres. Ils peuvent avoir peut-être 1 million d'esprits. Il donne l'ordre à celui qui a 200 esprits de libérer. Et ça peut sembler que c'est la guérison qui est là. Tu verras 6 mois, une année après, la maladie va encore revenir. Ce mais le grand problème, c'est aller à la source pour déraciner, n'est-ce pas, la cause de ta maladie. Aujourd'hui, le monde entier déclare que, écoute, la maladie du diabète est incurable. Médicalement aussi, on peut découvrir la cause. Mais moi, je connais des cas. Dans la prière, du jour au lendemain, cette semence disparut. Si vous croyez, ce qu'on dit, le Seigneur te fera également grâce. Amen. Des maladies qui sont présentes ou programmées. Amen. Pour la gloire de Dieu, au nom du Christ. Amen. Amen. Même des cas d'épilepsie. Dans la Bible, tu verras que Christ avait guéri un enfant lunatique. Là où même la science a échoué, même les disciples ont échoué. Mais tu verras aujourd'hui, quelqu'un dirait, mais non, moi aussi mon enfant était atteint de cela. Parce que comme on a j'ai fait appel à quelqu'un. Depuis, depuis son enfant, c'est fini. Aussi longtemps, tu n'auras pas brisé la semence là. Même à 40 ans, ça va rentrer dedans. Parce que c'est une semence qu'il faut détruire. Dans la prière. Na ma bon délai. Et les médicaments ne viendront que comme un remède. Mais pas pour guérir. Je dis à quelqu'un que rien n'est impossible devant Dieu. Amen. Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Pour dire que la science est limitée, quand nous pouvons le voir partout à travers le monde entier,
des cas qui sont des cas déclarés incurables. On dit que tes reins sont déjà détruits, il faut les remplacer. Tu as le cancer du poumon, ça ne tient pas. Le cancer du cerveau, ça ne pardonne pas. Cancer ya bongo ici li. Cancer de la gorge, ça ne pardonne pas. Cancer ya mungongo ikobi kisayote. Mais notre ami qui est là. Il est venu ici avec ses problèmes de cancer de la gorge. Ayaki awana cancer na mungongo. Mais Dieu l'a guéri, ça fait 4 ans bientôt. Nzama bikisa ile ki banvula mine. Il n'a plus de symptômes de cela. Tobetele nzambe maboko. C'est pour que vous compreniez que votre cas n'est pas difficile. Et ça pour nos rebis c'était ndakisa na yo, ils allaient pas citer. N'allons ne paniquez pas. Na ngo kotata banate. Laissez la science faire n'est-ce pas ce qu'elle fait, c'est leur travail. Mais croyez plus également aux prescriptions divines. La clé de tout cela, c'est la foi. Croyez plus à la parole de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. La preuve, l'autre preuve est que la science est limitée. En tout cas, je n'ai jamais vu. Même des savants médecins. Ressuscité un mort. Hein? Même si on va réanimer là-bas des machines. La Bible dit qu'il n'y a pas de délivrance pour la mort. La Bible dit qu'il n'y a pas de délivrance pour eux. Mais si Dieu permet, ça se fera. Un homme de Dieu peut ramener quelqu'un de la mort à la vie. Si Dieu le permet. Pour la seule gloire de son royaume. Donc la science présente certainement des limites. On peut relever plusieurs cas qui sont des cas tout à fait des cas déclarés impossibles. Mais celui qui croira que Dieu est de son côté et que devant Dieu, rien n'est impossible. C'est bien celui-là. Quel que soit le nom de la maladie. Et ça peut programmer la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. On a ramené un cas ici, il y a 4 jours. Et c'était le vendredi, je pense. Pendant qu'on remerciait Dieu dans le champ ici. Les saints m'ont conduit dans la salle. Je disais à des personnes, viens danser. C'est toi. Viens ici. Dans notre temps, non, elle est venue. Moi, j'ai perdu de vue. Je suis venu ici. Elle était restée là-bas. Alors que la grâce de Dieu a voulu la localiser, il y avait une attaque sérieuse contre elle. Et ce n'est pas déplacé. Bien aimé. Dans un ministère chrétien, celui qui est prophétique. Tout geste compte. Et le cognon socosa les anatina. Et calme Dieu donne l'instruction. Écoutez. Yoka. Je suis passé par là. Il était assis là-bas. Il est allé danser. Et croyez que c'était la faiblesse de la grossesse. Alors que c'était les agents qui la contrôlaient. Pendant que j'étais parti, à 21h30, on dit qu'on ramène un cas sérieux là-bas. Quel cas sérieux? Quand on dit sérieux, moi, souvent ça me fait rire. Ceux qui sont sérieux, ils pour quel cas? Dans la maison de Dieu, un cas sérieux existait. J'ai dit, mettez-la sur la verdure. J'arrive ici, des mains comme ça. Et commencé le combat. Et commencé le combat. Est-ce qu'il pourrait retrouver ça encore si vous avez filmé ça? J'espère. Elle a fait, je crois, 20 ou 30 minutes ici. À celle qui est 30 minutes dans verdure. Il est temps de prier. Pengong a quoi bon de les laier? Il disait quoi? Nous venons de Ngefu. Ngefu, c'est où? Ngefu. Ngefu, on est à Rawabi. Le village de ton père, hein?
avec Kabila. Nous venons de Ngefu. Nous venons de Ngefu avec Kabila. Na Kabinda. Pourquoi tu as prié sur elle? Elle a des yeux pour nous voir maintenant, elle nous voit partout. Balbi pona ni no bondele li esiko comme na miso komona. Et c'est par elle également que la famille vient ici. Donc, tu as prié pour lui, tu lui as donné des jumeaux. Moi, j'ai prié, mon Dieu. Tu crois, tu reçois des jumeaux, c'est tout. Nanzela na yende li bota mo bimbe comme koya awa pele sope si ma passa. Moi, j'ai prié. Quand la prophétie est là, tu reçois. Ngana bondela ka soko mi benimi malamu okoya. On a tenté à connecter ses enfants par la sorcellerie. Baloki ba pesa bana ne kindoki. Parce que nous, on a dit que nous, notre richesse, c'est la sorcellerie dans toute la famille. Biso bon mengo na biso ali kindoki. Alors quand ses enfants sont miraculés dans son sein, on n'arrive pas à le voir, donc on doit tuer la maman. Ce qui va couper aussi ma maman, c'est bon maman. Il fallait voir sa délivrance ici. Et c'est là qu'on monte à Bokango la minaie. Je voyais Lulu qui avait peur, Lulu qui voit quelqu'un, Lulu commençait à dresser la main. Est-ce que tu veux prier? Toi, tu dresses les mains. Mais si quand vous bondez, vous avez confiné ma maman. Tu as peur de quoi? Ozo banganini. Ma fille, connaissais-tu là où tu étais? Tu as suivi ta délivrance. J'étais le vendredi, mais dimanche, tu viens encore en retard. Ça rentre, ça sort. Médicalement, on a dit qu'on attendait seulement qu'on la ramène à l'hôpital. Là, on allait faire une erreur médicale. Qu'on a fait pour l'autre là-bas. Je vois la maman avait peur. Maman, baraki, hein? Maman, yaka, papa, zan. Ah. On a dit même qu'on a demandé aux gens de danser. Papa dansait comme un ambassadeur. Allez là-bas. Quand on dit danser, papa était, comme il dit, je suis un ingénieur. Papa dansait comme un ambassadeur. Hein? Mais le cas était sérieux. Quand il y a quelqu'un qui est passé. Quand on dit levez-vous, dansez. Dansez. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je suis donné. Mais papa d'Engefu, on dit qu'il est ambassadeur. Hein? Il veut nous montrer qu'il est intellectuel. Nous aussi, on allait tuer sa fille. Il vient d'où? Du village de papa. Mais il était en bonne santé. On attendait seulement qu'on la ramène dans l'hôpital, on allait la tuer là-bas. Priez avant de vous rendre dans l'hôpital. Bondela kaya mboko kende l'hôpital. Même pour une petite fièvre, priez. Ata pour na fefele. Maman, tu avais peur, c'est ça? Oui, c'est un cas qui était sérieux. Maman, on est au banga. Na banga kimingi. Et les gens qui étaient là, on a vu qu'ils étaient déjà enchaînés dans des filets du village. Hein? Mais quand vous venez dans les prières pareilles, c'est alors que Dieu coupe tout cela. Dieu vous aide. Papa ingénieur, quand il chantait, il dansait comme un ambassadeur. On dit que comme un ambassadeur, il dansait, il avait honte. Tu as honte de danser pour ton Dieu. Maintenant que Dieu l'a guéri. Mais le diable ne part pas aussi trop loin. Il ne fatigue pas. Il est toujours aux aguets. Il rate le matin. Il rate demain. Après demain, il se prépare. Dans je vais te dire le secret qu'ils ont monté contre toi. Combien de mois? À Sansavoni. Hein? Bientôt 7 mois. Galaté Sambo. Ne veux pas de porte, hein? Kofungo le kokete. Si on va te flanquer une fièvre. Ce qui te va couper, ça y fait faire. Qui va te pousser encore de contrairement à l'hôpital pour des perfusions. Oui, continue d'avoir besoin que ce soit dans l'hôpital pour pas côté ça au mai. Et si tu pries pas, c'est pour compliquer encore les choses. Fais ce que bon rite et qu'on y en a les sous. Mais aujourd'hui, on va effacer cela. Également, tout plan préparé contre toi sera effacé. Amen. Merci, cher Saint-Esprit. Que la fièvre là apparaisse et disparaisse dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ.
Voilà la fièvre. Voilà. Jumez-moi la personne entière. Elle est en bonne santé, non? Voilà quand vous venez chaque jour. Le Seigneur permet d'arrêter le plan de la maladie. Pas seulement dans ton corps, dans la vie de vos enfants, tout ce qui est également ton sang, même les membres de famille, même les parents, amen, sera protégé parce que tu es présent. C'est le jour où la puissance de la résurrection agit. Amenez-moi la chaise, elle est grosse. Vous allez voir la maladie là-bas qui va apparaître par la fièvre. Mais elle est en bonne santé. Mais c'est le plan qui est là. Amenez-moi la chaise. Qui t'a dit qu'elle n'est pas en vacances? Toi qui me suis de partout, je dis que ton cas n'est pas difficile. Même si on te dit que tu as la paralysie, mais tu déclares que mon cas n'est pas difficile. Lève-toi. Télément. Et déclare mon cas n'est pas difficile. L'ikambonangai est capacité. La guérison est disponible. L'obiko est pesamelingai. Dans mon corps. Nanzoto nangai. Dans le corps de mon mari. Nanzoto mobali nangai. De ma femme. Ya mwasi nangai. De mon père. Ya tata nangai. De ma mère. Ya mama nangai. De mes enfants. Ya bana nangai. Et de mes membres de famille. Pe bandeko nangai. Au nom de Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Asseyez-vous. Voilà la fièvre qui est programmée ici. Voilà. Jumez-moi la personne qui fait la fièvre ici. Est-elle venue avec la fièvre? Non. Hein? Voilà. On dira quoi? C'est la malaria. Mais quand on dit que c'est la malaria, c'est la fièvre. La semence a été plantée. Et c'est là qu'on n'attend qu'un moment pour agir. Ça sera brisé dans ton corps. Si vous croyez ce soir, ça sera brisé. Amen. Au nom de Christ, amen. Pourquoi la semence de la fièvre? Hein? Voilà. Mais elle est venue en bonne santé. Hein? Elle est venue en bonne santé. Mais c'est ma m'instruit qu'il y a une semence de la fièvre et le plan qui est préparé là-bas. Alléluia. Amen. Attention, bien-aimé. Le diable n'est pas ton ami. Et pour toi, viens, ta sa soeur, passez devant, ta la grande soeur, passez devant. Montez-moi comment elle marche. Elle marche normalement. Montez-moi la personne entière. Hein? N'est-ce pas qu'elle marche normalement? Maman, tu peux courir même ici. Hein? Qui m'a manqué? Okay. Courir. À qui m'y paie? Hein? Zonga Pembam. Zonga les sous-souboy. Ah, n'est-ce pas, ça va? N'y en sous un malam ou tout au monde? On va lui flanquer un premier dernier discal. Parce que ma paix, c'est fait pour qu'on ait un dernier discal. Hein? Pour qu'il soit une chaise roulante. Vous êtes affamé dans la kit. Cela? Oye biango? Hein? Simba. Déclare. Je brise. Je brise. Toutes ces semences. Toutes ces semences. De la maladie. De la maladie. Des paralysies. Tikaye, elle va marcher à la paralysie en question ici. Tikaye, voilà, voilà la paralysie. Connaissait-elle cela? Aïbaki Yango. Mais en la voyant, elle marchait normalement. Elle peut marcher. Azotambo la malamo. Mais la semence. Kasinkona. Voilà. Voilà pourquoi tu as besoin de Dieu chaque jour. Tu as la nino aux ambos seigneurs ensemble avec l'union. Maladie du cœur. Le cœur là-bas. Là-bas, c'est le cœur qui est programmé. Peuple de Dieu, ne manquez pas chaque jour à la grâce. Pendant que tu penses que tu es en bonne santé, tu ne connais pas ce qui se passe là-bas. Montez-moi ici. On ne veut pas qu'elle termine. Tu es en quelle année? En G3. Le plan qui est ici, il ne connaît absolument rien.
elle aura des violents maux de tête. Et si elle ne prie pas sérieusement, c'est pour l'empêcher. Connais-tu cela? Voilà. Alors, qui t'a dit que tu es en parfait état de santé parce que tu manges, tu marches? C'est maintenant quand tu pries que Dieu va effacer, va briser cela. Hein? Je vous montre des cas. Et qui vont apparaître après comme des cas difficiles. Voilà la paralysie. Montez-moi là-bas. Voilà la paralysie qui est ici. Voilà. Montez-moi ici. Tikaï. Hein? Et maintenant, on va trouver la cause. On dit que non, il avait trop de problèmes. Qu'elle a fait la paralysie. Peuple de Dieu, vous soyez la visée. Bozo Mayele. Elle est en bonne santé, mais c'est le cœur qui est programmé là-bas. On a le cœur. Mais on peut diagnostiquer, on trouve que le cœur est en place. Mais la semence attend un moment pour agir. Tu as compris? Celle-ci, parce qu'elle va bientôt terminer, elle est en G3. Hein? On va lui donner des violents maux de tête. Pourquoi? Elle ne connaît absolument rien. Mais c'est ce qui est programmé. Chaque mercredi, quand vous venez, quand nous prions, Dieu efface cela. Amen. Avant que ça n'arrive, Dieu efface cela. Amen. Voilà ici une fièvre terrible. Ici, une paralysie qui est programmée. Ici, ça va même prendre 5 ans après. Et hein? Même après 3 ans, ça même, ils ne sont pas pressés. Hein? Tu as besoin de Dieu chaque jour. N'est-ce pas qu'elle a la bonne santé? Le cœur a été vendu. Toi, tu blagues. Tu fais quoi là-bas avec ton appareil? Tu sais qui est programmé chez toi? Viens. Tu fais des messages. Si c'est pour l'église, c'est bon. Voilà ce que Dieu fait chaque mercredi. Ne manquez pas. Oh my God. Merci pour ta grâce. Que Dieu répare tes yeux. Il devienne aveugle. Regardez-moi ici. On dit pourquoi il a commencé à travailler. On va faire pleurer son père. C'est l'aîné. Azamona liboso. On veut les rendre avec. Mais il est normal. Il va commencer l'Olanda. Vous priez pas sur cela. Ça va commencer sur le pied. Il ne connaît rien. Et pendant que j'annonce, il est tenté avec son appareil. Montez-moi tous les cas qui sont là. Vous allez comprendre que vous avez besoin de Dieu chaque jour. Arrêtez-moi. Celle-là qui a le cœur là-bas. Vous filmez comment? Filmez-moi tous les cas ici, non? Amenez-moi celle-là. Ici, ce sont des violents maux de tête pour ne pas terminer. Et ça commence. Voilà. Allez. Vite, allez. Hein? Et puis, on va toujours trouver une cause médicale. Hein? Mais la semence. Montez-moi ici. Pourquoi elle doit terminer? Heureusement que sa maman a pris. Sa maman est là. La maman est là. Maman n'a pas. Ah! Elle manque jamais. Le lieu de la grâce, je n'aime pas là. Ici, la fièvre, elle est grosse. Pourquoi la donner la bénédiction des enfants? On n'arrive plus à ensorceler les enfants. Ah, vous allez faire fêler. C'est sa grande sœur. Oui, vous allez couler tout C'est la paralysie. Ah, bon, quand Katani? Laissez-moi.
Connaissait-elle cela? Ah, il y a peuple de Dieu, vous avez besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Ici. Ah bon. Voilà, ça va commencer par des mots de tête et puis musu. Et comme on a montré pas si c'est mes gros comme aveugle. Tikaye. Pas comme aveugle. Et ça vient de trop loin du village. Et où tu n'as pas. On dit que papa n'est pas ce qu'il a été. Ah oui, papa n'est pas ce qu'il a été. Pour y donc commencer à travailler. Donc, bien aimé, ne blaguez pas et ne manquez pas à une occasion de prière chaque jour et la grâce. Voilà ce que je vous dis. Quand vous venez, Dieu efface ce qui est programmé dans l'espace et dans le temps. Et par vous, Dieu libère également tout celui qui a le même lien de sang que vous. Prévu après 5 à Dieu efface. Est-ce que vous connaissez tout cela? Vous voulez seulement qu'on vous démontre les choses spirituelles. Hein? Il doit-il devenir aveugle? Pourquoi? Voilà, montez-moi ici. Mais il est en bonne santé. Il est là. Il a tous ses yeux. Il ne faut même pas des lunettes. Voilà, montez-moi ses yeux. À cet âge. Hein? Ce n'est pas au flanquer des maladies. Pouf, même un accident. Les yeux sont partis parce que les yeux ont été déjà vendus. Pour être mis sur cette société, Il a fait quoi? C'était depuis longtemps qu'il devait porter les lunettes. Il devait porter des lunettes depuis longtemps. Donc ce sont des yeux vendus. Mais société comment? Depuis longtemps. Et comment j'ai découvert cela? Voilà le troisième jour de la résurrection. Dans la mokolo lissé kolelo. La semaine, tout organe qui était défectué passé à la mort. À la vie. Et que l'on en a koufaki n'en a bon moi. Au nom de Christ, amen. Amen. Voilà le cas qui vous présente. Maman, il va qui a vous, papa. Mais quand on dit danser, il faut vraiment danser. Mais quand tu dis que je suis un ambassadeur. Hein, par rapport à, il faut danser. Hein? Moi, je suis. Papa est rentré là-bas. Ce qui est révélé est condamné. Bien aimé, voilà ce qui se passe. Je vous ai montré les différents cas ici. Allez, tu es guéri. Allez, okay, passe. Au nom de Christ. La guérison. Au nom de Christ. Amen. J'ai démontré plusieurs cas. Pour que vous compreniez que Dieu te contrôle. Vous avez besoin de Dieu chaque jour. C'est comme chaque mercredi. Il manque pas. Tu ne connais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Lis-moi Jean chapitre 11 à partir du verset 35 et 40. Jean chapitre 11. Je peux lire, chapitre. Ça va rapidement. 34. Jean chapitre 11. Après, je lis 34. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et il dit : où l'avez-vous mis, Seigneur ? Je disais ceci, que je n'ai vu aucun médecin ramener quelqu'un de la mort à la vie. Mais ici, le cas pire où Lazare, 4 jours, était enterré. Et il a fait la production. Celui qui donne la vie a ramené tout au gant de son corps. Pour aller un peu, pour résumer le plus loin, sinon on va traîner. Je vais dire ça à la maison. Je vais dire moi-même. Et il dit, où l'avez vomi? Ça dit bien dans le sujet Lazare. Hein? Seigneur lui répondit. Seigneur. Lui répondit, viens et voir. Jésus priera bien sûr. Et plus loin, vers 39, Jésus dit, ôtez la pierre.
Mat la sœur du mort, lui dit. Mal attendez comme oui. Mais il sent déjà. Et si Abandi Kolumba. Il y a 4 jours qu'il est là. Pote Mekolmine et si Azawana. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit? Yesu bisi naibisa kiote. Si tu crois, tu et ce qu'on dit, au commune qui est bon en Zambé. Levez-vous. Totelemi. Dis à ton voisin, Christ n'a-t-il pas dit à Marthe? Yebisa moninga, Christou a yebisa ki malatate. Devant un cas désespéré. Liboso li kambo ou li kesi silaki. De son frère Lazare. Ya ndekonaye Lazalo. Qui était mort. Ou yesi akufaki. Enterré. Akundamaki. 4 jours après. Mikolomine sima. Il sentait déjà. Akomaki kolumba. Un cas. Ndakisa moko. Pratiquement impossible. Ou yezangaki koko kisama. Devant la science. Liboso mayela bomoto. Devant la médecine. Liboso minganga. Mais qui était devenu possible devant Dieu. Les voisins, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mets-toi sur la tête. Dis éternel Dieu. Tu avais déjà signé un décret. Et si tu as dit Mokoloto, que depuis Golgotha, et tu es où Golgotha, au mont du Calvaire, dans Gomba ya Boale. Jusqu'à Nazareth. Jésus Christ au Nazareth. Qui est mon Saint Seigneur et Sauveur. Azali Mokondi, puis mon Biki Sinanga ici Moko. Il avait porté toutes nos maladies. Akumba qui est Bokolo Nanga Inyonso. À la croix. Na Ekolusu. Et c'est par ses meurtrissures. Paysan ma pipi naye. Que nous avons été guéris. Ndeto Biki Sama. Son sang qui était répandu. Makila naye etangaki. Au mont du Calvaire. Nangomba ya Boale. A purifié. Et Petolaki. La matrice, matrice qui a porté mon père, oye qui, tata qui a porté ma mère, oye qui, maman qui m'a porté, oye moko. Et qui a porté également mes enfants, pe oye bana et a effacé pe toutes les lois établies, mais programmant laka, des maladies bokono, dans l'espace et dans le temps. Na ainsi, na par l'autorité, na bokondi. Que Dieu m'a donné en Jésus-Christ. De la même façon moko, que Jésus-Christ de Yesu Christo, devant les figuiers, mosuke, il a maudit la semence qui donnait la vie aux figuiers ce soir. Pour lelo, moi aussi, ngai pe lokola, par la même puissance, moko, je maudis na mabe, toute semence de la maladie. Yabokono injecté dans mon corps nanzoto nangai ese peango depuis mes parents uta baboti nangai ese peango depuis mes ancêtres uta bakokololo nangai programmant kolengelaka dans l'espace natango et dans le temps pena molai à un âge donné nanvula moko des maladies bikono qui vont détruire oeko baby ça. Les regards de mon corps, binama yanzoto nangai, que ce soit mon cerveau, ezala bongo nangai, les yeux, ezala misu, la gorge, ezala mongongo, le cœur, ezala motema, l'estomac, ezala estomac, l'estomac, ezala estomac, l'estomac, estomac, l'estomac, estomac, les intestins, ezala michopo, pancréas, ezala pancréas, 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 le rein, barin, le rein, barin, foie, ba foie, foie, ba foie. Tout regard de mon corps était matrice, matrice, trompe, trompe, prostate, prostate. Tout regard de mon corps était dont la semence Oyonkona avait été déjà plantée et si vendu sa maquille et qui n'attend qu'un moment Pezalikozelobetango pour agir pour la kosala. Aujourd'hui, Leloyo, je déclare Natatoli, au nom de Christ, na kombo na Yesu Christ, je maudis la semence. Allez prier, allez prier, allez prier. Maudissez la semence. Et la même grâce va le caser tout celui qui a ton sang. Oh, qui na banteni anzoto nangai, na matrice, na pancréas, na barre, na foie, na cœur, na intestin, na poumon, estomac, nyonso ezike la kela mama be, ela kela mama be, ela kela mama be, ela kela mama be, ebo tatie. Ezika et botate Ezika pour la nuance à Bokono. Amen. Amen. C'est acté, pas décret, Céleste. Attention, bien-aimé. Tu as besoin de la prière de ce genre chaque jour. Et ne manquez pas chaque troisième jour. Christ nous rappelle ici dans Matthieu 13:25 que pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu semer des livrets. Tango va donner colère à Moïse. Vous avez démonté la semence ici.
Les semences magnifiques. Injectés. Des fois, depuis très longtemps, depuis les ancêtres ou pas, mais on a programmé à un certain âge pour la destruction, pour des maladies, pour des morts précoces les à cause des alliances générationnelles. Je te parle ce soir. Pas du grand médecin, mais du plus grand médecin. Ne parle pas d'un médecin. Parle pas du grand médecin, mais du plus grand. Il y a plus devant, plus grand. Donc, il est le plus grand de tous les médecins du monde entier. C'est bien Jésus-Christ de Nazareth. Il guérit des maladies spirituelles et physiques. Il vous a guéri des maladies programmées ici. Comme on l'a démontré ici devant. Et qui a annulé les semences programmées dans vos corps. Dans ceux qui sont devant là. Au nom de Christ. Amen. 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 Bien aimé, on peut voir dans la Bible, pendant que vous êtes là-bas, aucun cas n'a été trouvé difficile devant Jésus-Christ. Aucun. Alors pourquoi avoir peur parce qu'on a dit qu'il y a tel cas? Jean de peu de foi. Qui a l'autorité en Jésus-Christ? Je prends le cas de ces trois sœurs. Connaissait-elle ce qui était programmé pour elle? Pour lequel ton voisin connaît également ce qui était programmé pour toi? C'est pendant la prière ici que Dieu te fait grâce. Celle qui a l'œil malade, venez devant ici. Elle n'a pas terminé ton cas ces jours-là. Bien aimé, Jésus-Christ guérissait toute ma difficulté. Aucun esprit impur. Dis-moi un peu Matthieu 8, 16 à 17. Matthieu chapitre 8, le verset 16 et 17. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, dans les pays développés, on commence à enseigner la sorcellerie même à l'université. Même à l'Afrique du Sud ici. J'ai vu des gens diplômés en sorcellerie. Diplômés de la faculté sorcellerie. Faculté na kindoki. Hein? Même en France aussi, il y a des cas pareils. Attends, la France, et dans les hôpitaux maintenant, pour des cas qui sont difficiles. Ce sont des gens qui ont aussi leur cabinet. Bango peut basali na cabinet na bango. Hein? Pour faire des travaux extra, n'est-ce pas? Extra médical, c'est-à-dire des cas spirituels. Au lieu d'aller chez Dieu, on les consulte. Bah, et ça peut sembler marcher, mais ce sont des esprits impurs. Qui vont développer plusieurs maladies plus tard. Les gens veulent être loin de Dieu. Alléluia. Amen. Ton cas est différent. Amen. Le cas de ton père est différent. Amen. Pour ta mère est différent. Amen. Pour ton mari est différent. Amen. Pour ta femme est différent. Amen. Merci Seigneur. Couple Lungel a passé devant. Jonas, couple. Le diable va échouer. Bon, il y a coca qui est malélo. Les plans. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéri. Amen. 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 Que t'as dit que les batailles, n'est-ce pas, ne prennent fin dans la vie. Non, papa, tu as défendu déjà. Papa, tu as défendu. Hein? Oui. Tu es déjà docteur. Hein? On t'a programmé déjà. Moi, je n'avais pas peur parce que vous avez déjà prié et que vous m'avez dit que ça devait aller. Ok. J'ai dit que tu as défendu.
Ouais, tu as fait 90% depuis le vendredi. Gloire au Seigneur. Tu m'as donné un exemple beaucoup. Si je l'ai fait venir, parce que pendant que je suis là, on m'a parlé de ce couple. D'accord, maman, qu'est-ce qu'on a Bémine, maman, laissez-moi, vous pouvez rentrer. Ça doit vous interpeller. Il a crié à mon Dieu, Dieu a permis qu'on prie sur lui. En peu de temps, il commence à voir la main de Dieu. Il n'a qu'à s'accrocher à Dieu. Dieu va encore les visiter. Vous voyez votre enfant qui était malade le dimanche. Amenez-moi cet enfant-là ici. Vous allez comprendre pourquoi l'enfant était malade. Pendant qu'ils sont là, bien-aimés, j'aimerais prendre quelques cas dans la Bible, même trois cas, et on va terminer par là, après ce cas ici. Des cas qui pratiquement étaient des cas difficiles. Mais Jésus-Christ, devant lui, rien n'est impossible. Un, Christ, dans le sur le territoire des Gadaréniens, où il y avait des démoniaques qui étaient totalement guéris. Est-ce que si on ramenait ces deux démoniaques là qui passaient dans le cimetière là-bas, dans un hôpital, ils devaient être guéris? La semence devait rester. Dans Matthieu 8, 28 à 44, vous allez lire ça à la maison. On dit que lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant de sépulcre vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Christ, même des fous, même ceux qui sont possédés, les guérissaient. Deuxièmement, Jésus-Christ avait guéri les paralytiques. Comme notre sœur qui était ici. Dans la paralysie, comme également tel que tu es là, tu me suis. Il m'a dit programmé, mais Christ a effacé cela. Parce que tu es là présent. Parce que tu as cru. Dieu ne fait rien au hasard. Si le Seigneur a fait sortir plusieurs cas ici, comprenez que chacun de vous est concerné pour chaque cas. Et même au-delà de cela. Alléluia. Amen. Deuxièmement, quand Christ a créé les paralytiques dans Matthieu 9, 1 à 2 et 6 à 7, rapidement. Matthieu chapitre 9, 1 à 2, le verset 1 et 2, 6 à 7, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Le verset 6, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva. S'il vous plaît, les paralytiques étaient-ils guéris, oui ou non? Dieu aussi te guérira de tous ces mondes de la paralysie. Programmé, n'est-ce pas, c'est dans l'état de ton corps, dans ta maison. Amen. Amen. Christ, au nom de Christ. Amen. Amen. Christ également a guéri les démoniaques avec les muets, l'esprit sur les muets. Avec ce qui est fait, Baba. Matthieu 12, 22. Matthieu chapitre 12, le verset 22. L'esprit sur les muets. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Amen. Amen. Si tu as ici, on a, il faut opérer, il n'y a pas de solution aussi. Mais Christ a maudit la semence qui donnait la surdité et l'esprit là-bas. Minganga, bakopa sola li paso, kasi Christo, avec ça qui connaît. Donc, Benoît est là et sa femme. Quand la grâce est là, elle ne manque jamais. Mais elle est où? La femme qui a deux enfants là, dont l'enfant des problèmes.
Que Dieu les assiste. Vous qui me suivez de partout, je déclare que tout enfant, même si l'enfant n'est pas encore né, mais on a programmé dans votre famille qu'il y aura des surmuets. On va briser cela. Dis que je brise toutes ces semences dans ma famille. Toutes ces semences programmant des enfants surmuets au nom de qui priez Dieu. Maudissez cela. Et tout enfant qui est surmué, pendant que je parle maintenant, est sur l'étranger. Soyez visités par la puissance de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ, amen. Amen. Christ également a guéri des cas difficiles, rhumatiques. Christ dans Matthieu 17, 15 à 20, le Seigneur est... Les messieurs disaient, ayez pitié de moi, mon fils est lunatique, et qui souffre et crée le mal, il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. C'est du genre épilepsie. Tu crois? Je mourrai tous ces morts d'épilepsie. Amen. Présent du programmé. Amen. Dans ton corps. Amen. Dans ton foyer. Amen. Dans ta famille. Amen. Dans ta progéniture. Amen. Au nom de Christ. Amen. Amen. C'est acté par décret céleste. Ce sont des cas difficiles. Christ également avait la femme qui a fait 12 ans de perte de sang. Moi, c'est ça, vous la zone, il a mis balé côté de ma kila. Tu me suis de partout. Aux gens n'engagent pas ibinso. Tu es condamné par la médecine. Minga ngabaka te lieu tumbo. On dit même qu'on doit évacuer ta matrice. Balobi singeba longo la matrice na yo. Qu'on est avec des myomes, tout comme ça. Balongo ba moni ba myomes. Lève-toi. Télé ma sous alinda kisa. Je maudis toutes ces manches. Na la keli kona nyonso. Des maladies de bas ventre. Yabo kono alibo mupona basi. Hémorragie. Kotanga makila soit arrêté et katana hémorragie kotanga makila soit arrêté et katana maladie de myome de kyste ba myome ba kyste opération soit brisée arrêtée au nom de Christ. Amen. Amen. C'est acté par décret céleste. Bien-aimé, Christ a guéri un cas de maladie de 38 ans. Moko katana avola to komisa to na mwambe. Je sais pas combien de temps que ta maladie a fait dans le corps. Na bité tango nini umeli na katana nzoto na bokono. Quel que soit le temps que cette maladie a été fait programmer dans. Ata tango nzo tango belé bokono na fanji na yo. Maudite. Amen. Sa maudite. Amen. Sa maudite. Amen. Au nom de Christ. Amen. 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 Même les cas les plus désespérés de Lazare, on en a parlé. Ata likambo ya Lazare aussi bibaki. Que tout cas déclaré comme étant un cas difficile. Les Cambonions au bateau les a passés. Que cela soit visité. Écoute na. Par la puissante résurrection de Christ. Nanguya les seko ya Christ. Au nom de Christ, amen. Amen. C'est acté par décret. Bien aimé, on me conduit vers des cas ici. On va terminer par là de cas. J'ai mon autre sœur ici. Mettez-moi ses yeux. Mets-moi ça. Je vais commencer par ça. Montez-moi ses yeux. Voilà. On n'a pas terminé ce cas-là. Il y a eu des prières. Elle est allée chercher des solutions de gauche à droite. Ah, qu'est-ce que tu as dit? Tu n'as pas bien ça. La banganga. Hein? Elle est condamnée au thé, maman. Batala. Valentin, j'ai beaucoup aimé ça. Beaucoup t'as dit ça. Hein? Là, condamné au thé. Je ne te condamne pas. Hein, maman? Mais yo, regarde ce qui va s'aller sur moi. Yo, vous êtes mouna. Yo, ma qui va se battre qui au muscle. Pour que je me aveugle. Hein? Mon conseil, c'est au carré. Hé, où est la fille là? Que Dieu a guéri la cécité. Elle est là. Elle est là. Viens. Et celle-ci également. On l'a certifiée aveugle. Hein? Viens, ma fille. Et donne la grâce. Tu vois se tousser ses yeux. Hein? Donne-moi tes mains. Hein? Ça va? Dieu qui a guéri tes yeux va également toucher ses yeux seulement. Montez-moi, touchez-moi ses yeux. Hein?
La même guérison également te soit localisée au nom de Christ. Voilà, et pas au tout d'acquis. Moi, je vois mis. Tu penses que aux amours d'alors que va boumi au lys. Tu verras que ma si ma tête va remis sous cala. Hein, à ce moment-là. Mais c'est pour un temps. Si tu crois, Dieu te guérit ce soir. Amen. Hein? Au temps de télévision, hein? Oh. Tu dois te repentir parce que ma canne va consacrer. Là, on se des malades. Tu es soigné. Tu es soigné, n'est-ce pas? Hein? Mais si ma tête est mise. Pourquoi mon conseiller que vous testez ma camarade que vous qui est mise? Elle était même aveugle, confirmée, mais Dieu l'a guéri, la prière. Elle venait ici, elle m'a aussi mené un bâton, confirmé par la science. Elle peut plus étudier. Après la prière, Dieu l'a guéri. Ok, on va terminer par là. Pourquoi mon conseiller que vous testez ça alors que vous m'y êtes mise? Quand on dit, il y a que l'on t'a dit ça. Oh, poison, c'est ça le poison. Il y a attention, priez Dieu. Quel est l'hôpital? Allez à l'hôpital. Priez. Pourquoi mon conseiller que vous testez ça mus alors que vous m'y êtes mise? Hein? Ça peut lui prendre du temps. Merci. Que Dieu te guérisse. Comment on y est? Hein? Voilà. Nous avons une mission. Ça, c'est mon coco. T'es caillé, mon âme. Voilà. Faut tenir. Ni, hein? Bah, il y a une mission, hein? Oui, bah, on s'est arrêté dans mon coco. T'as une mission de coco. Bah, il y a une mission. Comme un verre que ça s'arrête. Bah, tiens, lui, ça n'y a pas. Comme ça, mon cul, hein? T'as mis ça, il y a beaucoup aussi pour l'année que mon sacier mus. On est arrivé à la fin. Hein? Pourquoi dire beaucoup aussi que mon sacier mus alors que mon bien mus, mon tec mus, que la famille est poussée, bah, ça se mus, bah, il y a mus bien, bien. Et alors, au moins, on a deux, trois, comme il y a avec. Hein? Hein? Asanini? Yeboko o ayaki. Ça c'est pour l'œil. Peut-être que tu es une prostate. Ok, tu as une prostate à mon coco. Tension de qui à l'estomac. Grave, mais c'est comme qui grave. Ado bangue comme grave, mais déjà commis grave à éviter. Hein? Hein? Asanini? Ado bangue comme grave, mais déjà commis grave déjà. Ah ben comme grave? Déjà commis grave. Pas de beaucoup si elle n'est pas que vous sachez alors, ah oui, on a dit ça, on a dit ça. Parce que on a dit ça, on a dit ça pour la banque. Je vais réserver ce cas ici pour ceux qui rentrent, que votre chemin de tout soit plongé dans le sang écrit. Amen. Shalom. Les services continuent. Je suis le cas ici. Hein? Pas de beaucoup si elle n'est pas. Bah toi t'as les sacs, mais on attend un bon. Faut qu'un bon conseiller, bon sincère, faut dire devant la tribulation, pas de bon conseiller moi. Hein? Bangati. Hein? Y a ben des coups banga. Attends pas banga. Eh, aïe pas y a ma source. Ton la qui c'est source? Hein? Oh. Bon, il y a qui a demandé pardon, nous avons dit que ça y est. Aïe, Lucanina. Ah, Lucanina. Je mets moi des cas ici, Valé. Hein? Aïe, la guérison. Aïe, la guérison. Ah, j'ai oublié ton cas aussi. Toi, tu es un cas. Attends-moi aussi. Il y a la solution, si on veut. Solution, on solution. Ah, ce qu'on est que Lucas Nini. Bon, tiens, Lucas Nia. On y est même mieux. Hein? Oh. Pas de bon conseiller. Hein? Pas de bon conseiller. Bon, alors, c'est un peu de limbe. C'est un peu de limbe, ça y est. Merci pour la guérison de ses yeux. Au nom de Christ. Amen. Et, allez, la guérison est là. Et je suis mûr, ça la mûr sur la pili-pili.
C'est ça le signe. Passez devant ici. Bien-aimés, accrochez-vous à Dieu. Il ne parle jamais en vacances. Quand la grâce de Dieu vous localise, c'est la grâce de Dieu. Approche-toi là. Quand Dieu commence à faire des grandes choses dans votre vie, dans votre famille, accrochez-vous. Et quand la bénédiction arrive, les batailles également vont s'augmenter. Ça va, jeune homme? Jésus qui l'a défendu, les dimanches devaient venir témoigner. On dit, mais non, d'abord c'est l'enfant qui est malade. Je dis, ramenez d'abord l'enfant à l'église. On va prier sur l'enfant avant de le ramener à l'hôpital. Ça peut sembler être une chose tout à fait banale. Veux-tu comprendre ce qui était caché derrière? Hein? Tout le monde est déjà connu. Il y a un moment dans l'église avant que l'hôpital. Hein? Quand vous filmez, je vais demander à un moment d'abord une église avant l'hôpital. Tu veux être enfant. Hein? Tu veux être enfant. Ok. Hein? Tu es toujours là pour intervenir. Pourquoi? Hein? J'étais à Gethsemane. J'ai eu le message, appelez-moi ce monsieur. Quand on l'appelle à l'hôpital, je dis, revenez vite ici. On a la terre de ta femme à cause de toi. Ce jour-là, tu as appelé son papa de venir témoigner. Comme ils ont raté l'université maintenant. Pourquoi il a témoigné? Tu as vu quand il dit, venez témoigner d'abord. C'est le plan qui était là. Dimanche, j'attends pour témoigner le matin. Non, non, l'enfant de l'hôpital. Je dis, arrêtez-moi ça. Je viens d'abord témoigner l'hôpital après. Parce que le diable avait un mauvais plan. Papa, commencez à prioriser Dieu pour toutes choses. Hé, quoi? Hein? Quoi ça? Tu verras qu'avec ça, l'enfant qui parle là-bas, erreur médicale, pouf! Ouais. Hein? Hein? Une erreur médicale, il faut salamander. Toi? On va envoûter la personne, erreur médicale, l'enfant trépasse. J'ai des plans chrétiens là, parce qu'ils ont loupé le papa, ils ont loupé pourquoi tu as défendu, pourquoi? Ils avaient fait une erreur médicale. J'ai dit, arrêtez-moi, venez d'abord avec l'enfant. Pourquoi j'étais à Gethsemane, on m'a demandé, Christophe, appelez-moi. Amenez-le ici, c'est la prière d'aujourd'hui. Amenez-le ici. C'est la prière d'épilepsie là-bas. Hein? Il a mal fait de témoigner ce jour-là. Hein? Ah, laisse-moi. D'abord, il devait aller à l'hôpital. Laisse-moi, calme. Mais pose pas des questions. Je connaissais les plans. J'ai demandé comme la peine. Cet enfant est innocent. Hein? C'est la prière d'épilepsie là-bas, je dis qui a fait comme ça. C'est la délivrance. Voilà ce qu'on a pour ton enfant. Hein? Que tout ça révèle ici. Allez, Tikaï. Voilà. C'est pas la mort ici. Tikaï. Hein, papa? Voilà. Montez-moi ici. Jumez-moi. Prenez-moi. Qu'est-ce que cet enfant, le petit ici, a fait? Parce que papa est allé défendre. Il dit pourquoi il a défendu. Le juge qui doit témoigner, c'est le juge. Plus que maladie, je dis arrêtez-moi ça. Venez témoigner d'abord. C'était le plan d'ennemi. Nous avons fait une erreur médicale et l'enfant allait mourir. Parce qu'on a loupé papa. Quand il a défendu, maintenant il doit pleurer. C'était ça le plan.
Voilà pourquoi je t'avais appelé. Venez d'abord, venez. Hein? Venez remercier Dieu, parce que si ce n'était pas Dieu, on aurait même été bricalé là-bas encore. Tikaye, c'est la prière de ce soir des enfants du natif qui fait comme ça. Maman, quel est Dieu? Hein? Aussi, on a renoncé, hein? Voilà le cas qui est ici. Regardez le cadavre ici. Vous savez pour nous. Avance. Prenez-moi les mains de la personne comme ça. Ce n'est pas le cercueil, ça? Teremawa, Joaiboui. Attention, parce que maintenant c'est souvent erreur médicale. Ne faites jamais l'erreur dans l'hôpital sans prier. Même petite fièvre, ne faites jamais l'erreur de te rendre dans un clinique hôpital sans prier. Dieu va protéger également tes enfants. Même toi, c'est prévu. Tes enfants sont là? Viens devant ici. Ne faites jamais l'erreur de te rendre, même dans un dispensaire ou une clinique, sans toutefois prier en avance. Les moments sont périlleux, très durs. Le monsieur est élevé. Voilà le problème. Pourquoi je t'avais dit, venez d'abord à l'église. Voilà. Quand je donne l'instruction, prenez ça à côté d'un vite. Était. C'est le plan qui était là. Quand il y a une photo, quand il y a la photo, vous allez comprendre après la célébration de la défense ce qui était programmé. Maintenant que Dieu a libéré beaucoup dans ta vie, Dieu va te libérer, accroche-toi à Dieu, ne sois pas distrait. Toute célébration amène des combats. Toute élévation amène aussi des batailles. Jérôme, viens. Toi qu'on voulait tuer. Donne-moi ta main. Mets sur la tête de ta maman. Appelle ta maman. Son nom. Mets sa tête. Appelle ta maman. Mets sa main sur la tête. Appelle. Comment ça s'appelle? C'est maman qui tu l'appelles. Appelle-la. Appelle, non? Allez, appelle. Dis, lève-toi. Dis, lève-toi. Lève-toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Encore. Maman, lève-toi. Encore. Encore. Tu as vu ce que tu as fait? C'est toi qui l'as délivré, non? Hein? Attention, bien-aimé, le diable est rusé et ne blaguez pas. Que Dieu vous protège. Merci. Prenez ta maman, tu l'as délivrée. Prends ta maman, tu l'as délivrée. Où sont tes enfants? Que Dieu te fasse grâce. Tes enfants sont dédicacés à Dieu déjà? Ah, c'est bon. On a un plan, on veut voler un enfant, pourquoi? Hein? Il est fièvre et puis après, c'est pourquoi? Vous voulez voler un de ses enfants, surtout l'autre dans les cours là. J'ai prié sur lui, il pouvait être pasteur. Ce sont des jumeaux, mais parmi ces jumeaux, vous voulez voler un enfant, pourquoi? T'es misère, maman. Il veut moi, il veut quoi éviter? Où sont partis les dents? Vous voyez bien moi dans mon compagnon. Alors ma passe à m'y garçon à fille. Vous avez pas fièvre. Oh, hôpital, fièvre. Erreur médicale. C'est ça vos plans.
Évitez. Vous voyez bien, moi, dans mon corps, parmi ces jumeaux. Pourquoi? Moi, tout le monde, moi, tout le monde. Alors, c'est normal. Il est tout le monde. Alors, moi, ça, l'ensemble. Vous voulez voler un de ses enfants, pourquoi? Hein? Fièvre, fièvre, et puis après, pour la nini, t'es mis tout droit. Oui, mais il passe à Moko. Hein? Bon, à moi, on est gagné. Hein? Oui, la crie a mon dit à Zoya Mabé. La poser question, oui, mais moi, à Moko, il passe à pour la nini. Oui, je suis venu le meilleur. Photo le moulin avant. Photo le moulin avant. Cet enfant va servir Dieu. Azoya ma bena ma cambouniance. Tu n'es école. La salle de moi, ça fait 4 ans. Non? Hein? J'ai prié sur l'enfant, ça fait 4 ans passé. Oui, mais ça va bien, ça sera une école. Photo le moulin. Non, c'est qu'elle venait connaître. Elle a 11 ans. Elle a quel âge? 11 ans. Elle a âge. C'est ça. C'est ça la mission. Tellement est déclaré. Que tous les enfants de ma famille, les enfants dans mon foyer, dans ma maison, même au sein de l'église, soient protégés dans le quartier, à l'école, même à l'église, même en famille, qu'ils soient tous plongés dans le sang de Christ et que le diable échoue totalement, totalement dans leur vie. On a crié, priez Dieu, allez, priez Dieu, allez. Au nom puissant de Jésus, amen. C'est acté par des grâces. Quand est-ce que vous avez dit, mon salon? Vous avez dit, vous avez dit, Maman, comment ça va? Le sang de Christ est rouge, ma quête massia. Le sang de Christ. Si vous voyez un bois qui est en haut, vous avez un dos qui est juif, vous faut un an. Mais on ne peut attaquer, c'est quoi, vous avez un attaqué, Bino. Voilà, quand ma casse. Malobané, ma paix à solo, m'a couffé. Vous avez un bois pas tout. Hein? Tolinga, moi, c'est Tolinga, mon balité. Partout où j'ai loué, même là où je loue maintenant, je brise tout pouvoir de la sorcellerie, du quartier, de la parcelle, des anciens occupants. Au nom de Christ, allez prier, brisez. Et dans le foutre la carte, et dans le somba, que tout ça propriétaire ou locataire, brisez la puissance dans le quartier. Brisez la puissance sur l'avenue,
briser l'occultisme, Yos. Au nom de Christ, amen. Je déclare que le vent du Dieu Tout-Puissant souffle dans mon quartier, dans les corps de mes enfants, là où je travaille, afin de nettoyer tout vent empoisonné qui amène des maladies. Priez d'y aller. Au nom de Christ, amen. C'est actif. Bien bouté, mon roi. Bon, je suis prison. Allez. Viens ici. La prière qu'on a faite sur les lunatiques, viens ici. La défense contre le sang de Christ. Il faut le mener. Kamata. C'était sur les lunatiques aujourd'hui. Ah, bon. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu as permis que la semence de qui contrôle Sinatu, qui soit brisé. Tu l'as déjà guéri, Seigneur, depuis longtemps. Le diable est menteur. Que le vent, que le sang de Christ coule dans ses veines et ses entrailles. Allez, prenez ça. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui cherche encore à revenir chez toi soit brisé et quitte ce corps. Au nom de Christ. Christ a guéri tout enfant lunatique et épileptique. Et toi qui me suis également de partout, de la même façon que la semence qui cherchait encore à être replantée, que la semence devienne morte. Au nom de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, amen. Eh, hey, bon, tu as. Hein? Il y a un micro là. Oui, on va banquer pour la nuit. Vous voulez prier à l'autre? Hein? Il y a un micro là. Oui, on va banquer pour la nuit. Hein? Oui, on va banquer pour la nuit. Oui? Pour la nuit, oui. L'esprit de mensonge. Oh non, Christian. Gloire au Seigneur. Merci. Que Dieu bénisse. Shalom.